Moi, mon modèle, c'était plus la rue que j'étais attiré. Je sais pas pourquoi j'étais attiré par les conneries. Ouais. Tout le monde fait des conneries d'enfance, des petites bêtises. Après, en grandissant, on fait attention. Comme on dit, une erreur, c'est une erreur. C'est, si on l'a fait, c'est pas pour rien. Au moins, ça va nous, en gros, ça va nous servir pour plus tard, pour plus la recommencer, cette erreur. Maintenant, moi, personnellement, pour moi, si les jeunes ils font aujourd'hui des conneries, c'est qu'il n'y a pas trop de monde qui sont à l'écoute et à l'aide des jeunes. Parce que même moi, j'en ai fait des conneries. Par exemple, au quartier, si on n'a pas de la famille, des frères ou des parents qui vraiment nous gèrent et nous donnent des heures à rentrer, des limites à ne pas franchir, je pense que après c'est beaucoup plus facile pour un jeune de partir en cacahuète. Quand je faisais des conneries, on me disait pas pourquoi tu fais ça. Ben moi, c'était parce que j'étais malheureuse. Je voyais mes copines aller à l'école, moi qui arrêtais l'école parce que j'en avais marre du regard des gens. C'est-à-dire, à la finale, je restais dans ma carapace et je faisais n'importe quoi. Avec ma haine, en fait, eh ben, je faisais n'importe quoi, traîner dehors, tout. Mais au jour d'aujourd'hui, je pourrais plus les refaire, ces conneries. Parce que j'ai grandi et je me suis battue pour avoir mon travail. Quand tu n'as rien, tes parents n'ont rien, tu avais toujours eu les parents, tu vas chercher des boulots, tu ne trouves pas. Il y a des choses, même si tu n'as pas envie de faire, tu es obligé de faire. Tu prends le risque que tu fais. Soit j'ai gagné l'argent, soit en prison. Tu choisis, voilà. Moi, à mon avis, c'est ça, parce qu'il sait s'abandonner, il ne trouve pas de boulot. Voilà. Et si je ne trouve pas de boulot, il faut que je paye basket, il faut que je m'habille. Comment je fais? D'autres auront l'envie d'aller à l'école. Et d'autres aussi, bah, qu'ils auront à l'école, qu'ils verront les amis, ils sont bien habillés et qu'ils demandent à sa mère, tu peux m'acheter une paire de pompes à 100 euros et que les 100 euros, c'est l'argent pour les coûts de la maison. Franchement, il n'a pas d'autre choix que d'aller vendre la drogue ou soit aller voler, au fait, mettre sa sécurité en jeu. Et après, au fait, on se rend compte, ce n'est pas les parents qui nous envoient au fait d'aller commettre des bêtises. Des fois, on fait des bêtises par rapport à notre situation familiale. Et même les parents, ils ne peuvent pas se douter une seule seconde de ce que les jeunes ils peuvent faire une fois qu'ils sont dehors, tu vois ce que je veux dire? Mais non, ils comprendront pas. Après, tout ça, ça part de la dalle. Tu vois, l'histoire du banlieusard. Si tu fais pas ton truc pour manger demain, tu ne vas pas manger pendant 2 jours en vrai. Mais après, ça reste de la survie, que tu ne vas pas forcément expliquer avec des mots, mais avec des actes mal faits, tu vois. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et après, moi, je les comprends personnellement. Moi, je les comprends. Si aujourd'hui, ils font ça, c'est normal. Il n'y a pas de travail. Même les payes, elles sont maudites. Pour nourrir sa famille, s'habiller, c'est cher. Moi, perso, c'est mon petit. Je sais que c'est pas bien, mais je les comprends. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qui, comme jeune, n'aurait pas voulu être bien, avoir un travail, être stable? Quel jeune n'aurait pas voulu tout ça? Avant, c'est sûr qu'avant, on faisait comment? On faisait dans le crime. T'as vu? Pour nous, c'était facile. On va dépouiller quelqu'un. RERB, maintenant. C'était dans l'erreur, on prenait tout ce qu'il y avait, c'est pour nous, tu vois. Alors on a fait des choses, on pensait que ça soit la bonne solution, en fait on réfléchissait même pas, on faisait des choses. Et on s'est dit, en grandissant, on s'est dit, mais t'as vu, l'énergie que j'ai mise dans le crime, là, j'aurais fait ça dans le bien, mais je serais lourd aujourd'hui. Maintenant, c'est malheureusement, c'est plus, je vais pas dire la délinquance physique ou même le vol, c'est plus, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment la drogue. Si vous allez dans une cité, il n'y a pas ça, c'est que c'est pas une cité, quoi. Moi, pour moi, c'est ça. Dans toutes les cités, Villepinte, Sevran, Aulnay, partout, il y a ça. Ici, survivent les gens. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un travail à plein temps et que vous bossez, vous survivez. Mais lorsque vous survivez, vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, partir en vacances, vous habiller, manger, sortir. Vous n'avez pas d'autre choix. La plus simple, la drogue. La drogue, c'est ici, hein, en tout cas, au gros saule, la drogue, c'est la meilleure chose à faire. Ici, les trafiquants capent directement les gamins de 16 ans. Libre à ceux qui font leur business. Hein. Si c'est le moyen qu'ils ont pour manger, s'habiller, c'est libre à eux.
Donc ça, c'est de l'argent facile pour moi. Juste en restant assis toute la journée, tu te fais une centaine d'euros en une journée. Pour moi, c'est de l'argent facile. On dit aujourd'hui l'argent facile, c'est pas vrai. Il y a la police, il y a les carottes, il y a les meurtres, il y a tout ça. Ça, c'est l'argent difficile. L'argent facile, on l'a créé, c'est le travail. Et là, l'argent facile. Mais aux jeunes, on leur fait croire que le mot facile, eh ben, il va y aller, oui, c'est de l'argent facile. Donc lui, il dit, c'est ça, facile. C'est pas facile. Tu y risques. C'est des vrais risques. Tu vas mourir. Ta mère va être déçue. Tes parents vont être déçus. Tu vas humilier ta famille. Tu vas tuer des gens. C'est peut-être toi qu'on va tuer. Tu vas faire de l'argent. L'argent, tu vas même pas savoir comment tu vas le consommer parce que concrètement, l'argent, comme il est mal acquis, tu sais même, des fois, tu sais même pas comment il est parti, l'argent. Ça s'appelle l'argent difficile. L'argent facile, c'est quoi? Je travaille, à la fin du mois, mon patron me donne mon argent. J'ai là, je dépense comme je veux. Ça s'appelle de l'argent facile. Certes, je me lève pour aller travailler. C'est un humain, ça. C'est pas difficile, ça. T'es un humain. Tu dois te lever, tu dois dormir. T'as une hygiène de vie, c'est normal. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'argent facile. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de mettre ça en avant. Le travail facile, c'est ça.